c'est du très haut niveau cette affiche de demi-finale de Champions League. Quel beau spectacle en perspective. On va vivre ce grand rendez-vous dans quelques secondes. À tous, quand on aime le foot, évidemment, on ne peut pas être indifférent à l'ambiance grandiose qui règne dans ce stade. Vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez avec nous. Au programme, une demi-finale aller du UEFA Champions League à suivre tous ensemble. Et c'est une magnifique fête qui s'annonce pour tout le monde ici. Une confrontation aller-retour, ce n'est jamais facile. Ça demande énormément de concentration, de détermination, de patience. Et encore plus quand c'est une demi-finale de la UEFA Champions League. Voilà la compo officielle pour cette équipe. Les joueurs qui débutent pour le Barça, dans le but, c'est Ter Stegen, Andreas Christensen avec Araujo en défense centrale, Frankie de Jong sera épaulé par Gundogan au milieu, et enfin devant Robert Lewandowski. Et dans le 11 présent sur la pelouse, c'est inévitable, il faut s'attarder sur Victor Osimhen. Ouh, la faute là, et ça donne un très bon coup franc. Lewandowski, mais il y a du Juninho dans ce coup franc. Oui, mais avec l'ancien capitaine lyonnais, ça finissait souvent du bon côté des poteaux. À la récupération du ballon, c'est bien fait. Ça joue vers Lewandowski. Ballon bien dégagé. Araujo. Araujo. Et ça joue vers Jukundé. Araujo reçoit le ballon. Gundogan. Gundogan ! Ouais, bonne intervention du gardien. Gundogan frappe ce corner. La défense ne se pose aucune question. Ballon dégagé. Mario Rui. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Ah, le centre vers ses partenaires en pleine surface de réparation. Ah, ça presse bien. Christensen. Araujo reçoit le ballon. Araujo. Araujo. Christensen. Pedri. Ah, Pedri, il a vu son partenaire. Et voilà un ballon qui échappe au Barça. Victor Osimhen reçoit le ballon. Osimhen. Goal, 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 goal. Le premier but du match. Cette demi-finale est lancée.
quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Puissance, placement, précision, il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfait pour exécuter. Le jeu reprend après ce but concédé par le Barça. Koundé. Ça passe pour Araujo. Jouant Cancelo. Comunicazione di servizio, la signorina Serena Cannizzaro è desiderata con urgenza al telefono presso la biglietteria dello stadio. Araujo. Réception de Pedri. Gundogan. Christensen. À la réception Christensen. Pedri. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Ballon pour Osimhen. Oui, c'est bien fait. Mais la belle parade là. Tiré dans la surface et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Ballon contré mais ça revient. Amir Rahmani. Passe en direction de Rahmani. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Jules Koundé. Araujo. Araujo reçoit le ballon. Christensen. Avec Gundogan. Frankie de Jong. Ça joue avec Pedri. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Stanislav Lobotka. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Anguissa. Il faut centrer là-dessus. Kvaratskhelia. Tout est allé très vite sur cette action. Malheureusement, la finition est catastrophique. La transition offensive était très bien réussie. C'est le dernier geste qui a laissé encore à désirer. Jules Koundé, c'est récupéré, oh, bon pressing. C'est bien, ça pourrait être dangereux. Stanislav Lobotka. Pour Victor Osimhen. Alors il y a contact, mais l'arbitre fait signe de jouer, de continuer. Il laisse l'avantage. Joao Cancelo. Nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus. Et c'est une remise en jeu à venir. Ça joue avec Pedri. À la conclusion peut-être sur ce ballon. C'est dedans. Voilà ce qu'il fallait au Barça. Cette égalisation. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Mais regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Et voilà, on n'ira pas plus loin, c'est la mi-temps. Et sans vouloir porter la poisse à Osimhen, il montre pour l'instant des très bonnes choses.
quand on parle de prestations inspirantes, quand on parle de performances offensives, c'est ça qu'on veut voir. Et c'est le début de cette deuxième mi-temps dans un match pour le moment très équilibré. Évidemment, l'enjeu maintenant, c'est de voir si l'une des deux formations va prendre un ascendant. Frankie de Jong avec le ballon. De Jong pour centrer, et c'est le but! Et voilà encore une fois, tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Et c'est Lewandowski qui reprend le ballon de la tête devant le but. Et lui, ce n'est pas le genre à fermer les yeux quand le ballon arrive. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Robert Lewandowski. Stanislav Lobotka. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Amir Rahmani. Et non, là, ce ballon qui est intercepté. Koundé. De Jong. À la réception, Christensen. Gundogan. Un ballon intercepté. Bonne intervention. L'arbitre laisse l'avantage. Oui, il y a un peu de champ. Là, sur le côté. Mario Rui. Intervention de l'arbitre pour désigner ce coup franc. Et oui, pourquoi pas, ça part directement dans la surface. Le dégagement de João Cancelo. Le ballon est sorti, 6 mètres. Christensen. Et voilà une séquence défensive de conservation de balle. Araujo. Ballon pour Frankie de Jong. Et le bloc reste bien bas pour obliger l'adversaire à monter. Christensen. Ballon pour Frankie de Jong. Ballon récupéré par les Barcelonais. Gundogan, le Barça attend de construire. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Lewandowski. Araujo reçoit le ballon.
Gundogan. Et le bon coup d'ongle sur ce ballon bien placé, dommage. Deux nouveaux joueurs vont entrer côté Barça. Possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Voilà, c'est un bon centre dans la surface. Ah non, position de hors-jeu, tout semblait effectivement trop beau. Et le remplacement peut avoir lieu. La passe pour Araujo. Christensen. Ah, évidemment, pas besoin de pousser, il mène au score. Alors, autant conserver le ballon. Pedri. Ah, le ballon tourne dans leur propre moitié de terrain. C'est un moyen comme un autre de défendre un résultat. Quelle ambiance! Écoutez un peu ça. Ils sont menés d'un but, mais je peux vous dire qu'ils sont des milliers à pousser. Anguissa. Passé en direction de Rahmani. Lobotka. C'est l'une des dernières offensives pour essayer de renverser la situation. Pour Lobotka. Et maintenant Politano. Trajectoire bien coupée en pleine surface. Attention pour égaliser. Oh, le ballon là qui est repoussé. Ah, il est important ce corner, peut-être une chance d'égaliser. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. La défense s'en sort facilement, ballon bien dégagé. Kvaratskhelia. Non, ça ne passe pas, le ballon est contré. Ah, ce ballon dévié sort, corner à suivre. Vers le point de pénalty, pas vraiment de danger là sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Et bien sûr que l'arbitre signale la faute, le coup franc à suivre. Et c'est un changement là pour le Barça. Et ce ballon passe assez loin du cadre. En même temps, frappé mais si loin, il avait beaucoup mieux à faire. Araujo. Et ça joue vers Jules Koundé. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Ah, il s'est bien défendu, le ballon est récupéré.
vers ses partenaires dans la surface. L'arbitre indique donc un coup franc sur cette action. La frappe. Et c'est la fin du temps réglementaire. Le FC Barcelone prend un avantage intéressant dans cette double confrontation. De quoi envisager maintenant le retour avec Serena. C'était un match avec beaucoup d'émotions, mais aussi énormément de qualité. Petit avantage pour cette équipe. On a hâte de voir ce que ça va donner au match retour. Et Robert Lewandowski, on le voit, plutôt satisfait de son match. Et hier. Dans les résumés, c'est son nom qu'on va retenir. Un bon match et surtout le but de la victoire.